Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un tuto que j'ai vu sur Drop Design. C'est des chaussettes avec de la dentelle. J'ai fait le tuto pour le point, mais je le ferai un peu avec vous. Une fois par contre, je le ferai une fois. Voilà, j'ai monté. Moi je fais une. Je fais ma taille, ma pointure. Je fais du 38-40. Voilà. Et pour ceci, j'ai pris du numéro 3 et de la laine 3. Voilà, c'est de la très fine. Pour. J'ai monté avec des aiguilles 3, j'ai monté 56 mailles. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs de côte 1 et 1. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous faites du point de riz, vous faites ce que vous voulez en point, en côte. Moi j'ai voulu faire ça, il n'y a aucun problème. Alors, après j'ai fait un rang de jersey. Voilà. Maintenant, je vais faire le point. Alors, le point, il est très très simple. Vous allez voir. Vous allez. Moi, je le tricote en rond. Hein. Voilà. Vous allez tricoter 2 mailles. Une. On va tricoter 2 mailles. Ça se fait tout en jersey. Hein. Après, 2 mailles ensemble. Alors, moi, j'ai un peu serré, hein, mais ce n'est pas grave. Alors, hop. Voilà. Hop. Moi j'ai un peu serré, mais c'est pas grave. Voilà. Après, un jeté, une maille. Un jeté. Un surjet simple. Trois mailles, une, deux et trois, et on recommence. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté. Un surjet simple. Après, vous allez faire. Voilà, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous allez mettre un anneau marqueur. Ici. C'est où? On sait qu'on a commencé notre rang. Comme moi, je tricote en rond. Je sais que là, c'est là où j'ai commencé. Alors, j'ai fait. Je regarde. Un jeté. Hop, et là, c'est 3 mailles. On recommence avec 3 mailles. Une, deux, trois. Et on recommence avec 2 mailles ensemble. Si vous y arrivez pas, vous les prenez par derrière. Hop. Un jeté.
une maille, un jeté, un surjet simple. Un surjet simple. Attendez, est-ce que moi je... Voilà. Trois mailles. Une. Deux. Et trois. Et on recommence à faire deux mailles. Deux mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, un surjet simple. Voilà. Je remets, hop, je remets ça correctement. Voilà. Maintenant, on continue avec trois mailles. Une, deux et trois. On fait deux mailles ensemble. Si vous n'y arrivez pas, vous les prenez par derrière. Moi, si j'ai trop serré, ce n'est pas très grave. Voilà, là, bah dis donc ce soir. Hein. Voilà, hop, vous les prenez par derrière, ça ne change rien. Après, un jeté, une maille, un jeté, un surjet simple. Et on recommence trois mailles. Une, deux et trois. Et on recommence le motif. On fait deux mailles ensemble. Un jeté, une maille, un jeté, un surjet simple. Trois mailles, une, deux et trois. Et on recommence. Deux mailles ensemble. Mon fil c'est du double. Un jeté, une maille, un jeté, un surjet simple. Voilà. Et là, normalement, on doit terminer avec une maille. Et on a une maille. Très bien. Hop. On passe là nos marqueurs. Là, comme on est en rond, on va tricoter les rangs comme normalement. Alors, premier rang. Hop. On est au deuxième rang. Le deuxième rang, c'est les mailles comme elles se trouvent. Tout en jersey, hein, on n'est pas à l'envers, hop. Même les jetés. Voilà. Bon, je vais tricoter mon rang tout à l'endroit. Nous ne sommes pas à l'envers.
C'est parce qu'on est en magic loop. Voilà. Là, par contre, quand vous tournez, vous serrez bien. Hop. Gardez les jetés. On les tricote normalement. Celui-là, ça va être le rang 2. Voilà. On va retricoter jusqu'à l'anneau marqueur pour pouvoir partir du bon sens. Voilà. J'ai fait mon rang avec tous les jetés. Regardez ce que ça doit vous donner. Je suis désolée, j'ai pas fait mes ongles. Hein. Hop, hop. Voilà. Alors, maintenant, au rang 3. Alors, je remets mes aiguilles correctement. Au rang 3. Alors, hop. Voilà. On a l'anneau marqueur. On passe l'anneau marqueur et au rang 3, on va tricoter une maille, deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un surjet simple. Voilà. Une maille de séparation. Et on recommence. Deux mailles ensemble. Une maille. Un jeté. Une maille. Un jeté. Une maille. Un surjet simple. Et on recommence, on sépare le motif par une maille. Une maille après, deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un surjet. Simple. Voilà. Là, je viens recommencer. J'ai fini avec un surjet simple. Je fais une maille de séparation pour les motifs et on recommence. Deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, une maille,
un jeté, une maille, un surjet simple. Une maille de séparation et on va venir recommencer avec deux mailles, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un surjet simple. Et on va séparer avec une maille. Et on recommence. Deux mailles. Une maille. Un jeté. Une maille. Un jeté. Une maille. Un surjet simple. Une maille de séparation. Après. On fait deux mailles ensemble, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, et on finit avec un surjet simple. Voilà. Là, on a fini notre rang parce qu'on a notre anneau marqueur. Alors, hop, voilà ce que ça nous donne. Au rang, alors, on est au rang. Le rang 4, ça va être le rang où on va faire, où on va tricoter les jetés. Aussi. Vous allez tricoter votre rang 4, c'est les rangs où il y a les jetés. Et on va venir se retrouver au rang 5. On se retrouve au rang 5. On va tricoter un double surjet. On glisse la première. On vient tricoter les deux. Les deux suivantes. Voilà. Et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On vient tricoter deux mailles. Une, deux. Un jeté, une maille, un jeté, deux mailles. Un double surjet, on vient glisser la maille, tricoter les deux suivantes et la maille glissée par-dessus les mailles tricotées. Deux mailles, une, deux. Un jeté, une maille, un jeté, deux mailles, une, deux. Un double surjet. Après, non, moi, hop, voilà. Un double surjet. Après, une, deux, une maille. Un jeté, hop, une maille, un jeté et deux mailles, une et deux. On a fini avec deux mailles. Voilà. Après, on glisse la maille, on vient tricoter
Les deux suivantes. On vient passer la maille non tricotée par-dessus les mailles tricotées. On tricote deux mailles. Une, deux. Un jeté. Une maille, un jeté. Deux mailles, une, deux. Un double surjet. Et on recommence. Deux mailles. Une, deux. Un jeté. Une maille, un jeté. Deux mailles, une. Deux. Un double surjet. Deux mailles. Une et deux. Un jeté. Une maille. Un jeté. Deux mailles. Une. Deux. Un double surjet. Double surjet. Deux mailles. Une. Deux. Un jeté, une maille, un jeté, et on finit avec deux mailles, une et deux. Voilà, on a fini notre rang. Alors, au rang, là on vient de finir le rang 5. Le rang 6, c'est les mailles avec, c'est le rang avec les jetés. Vous allez tricoter toute votre maille, votre rang, avec les jetés, tout en à l'endroit. Voyez, là il y a un jeté. Vous venez le tricoter. Hop. Je vais tricoter tout mon rang et on se retrouve au rang 7. Voilà, alors on se retrouve au rang 7. Hop, le rang 7, on va venir tricoter une maille, un jeté. Un surjet simple. Trois mailles. Une, deux, trois. Deux mailles ensemble. Un jeté. Une maille. Un jeté. Un surjet simple. Et on recommence avec trois mailles. Une, deux, trois. Deux mailles ensemble. Un jeté. Une maille, un jeté, un surjet simple. Et on recommence trois mailles. Une, deux, trois. Après, deux mailles ensemble. Voilà. J'ai fini par deux mailles ensemble. Hop. Alors. Après, on va faire. Là, on va faire un jeté. Alors, on va faire un jeté comme ça. Voilà, une maille,
un jeté, un sur jet simple. Et on recommence, 3 mailles, 1, 2 et 3. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille, un jeté, un sur jet simple. Trois mailles, une, deux, trois. Et on recommence. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille, un jeté, un sur jet simple. Trois mailles, une, deux, trois. Deux mailles ensemble. Un jeté, une maille, un jeté. Oui, deux mailles ensemble. Non, excusez-moi. Un sur jet simple. Voilà. Trois mailles. Une, deux, trois. Deux mailles ensemble. Et on finit avec un jeté. On va venir tricoter le rang 8, toutes les mailles à l'endroit, même les jetés. Alors attendez, parce que là normalement j'ai fait un jeté, il est où mon jeté? Il est là. Je vais tricoter toutes les mailles. Oh là là. Hop, je mets mon marqueur. Et là, je viens tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon rang. On se retrouve au rang 9. On va faire une maille. Un jeté. Une maille, un sur jet simple, une maille, deux mailles ensemble, une maille, un jeté, une maille, un jeté. Un sur jet simple. Une maille. Deux mailles ensemble. Une maille. Un jeté. Une maille. Un jeté, une maille, un sur jet simple, une maille, deux mailles ensemble. Une maille, un jeté, une maille, un jeté, alors j'ai terminé avec un jeté.
Après, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un surjet simple. Une maille, mince, qu'est-ce que je fais moi? Une maille, deux mailles ensemble, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un simple surjet. Et on recommence. Une maille, deux mailles ensemble, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un surjet simple. Une maille, deux mailles ensemble, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille, un surjet simple. Une maille, deux mailles ensemble, une maille, on finit avec deux mailles. Voilà. On va tricoter le rang 10 et on se retrouve au rang 11. Au 11e rang, hop, on va faire une maille, un jeté, deux mailles, un double surjet. Deux mailles, une, deux, un jeté, une maille, un jeté, deux mailles, une, deux, un double surjet, deux mailles, une, deux, un jeté. Une maille, un jeté, deux mailles, une et deux. Un double surjet. Une, deux, un jeté, une maille, un jeté. Alors, j'ai fait un jeté, jeté, après, après c'est deux mailles. Faire attention à ne pas perdre le jeté. Hein. Une et deux. Un double surjet. Un double surjet. Deux mailles. Une. Deux. Un jeté. Une maille. Un jeté. Deux mailles. Une. Et deux, un double surjet, et on recommence. Une, deux, un jeté, une maille, un jeté, deux mailles,
Un double surjet. Deux mailles. Une, deux. Un jeté. Une maille. Un jeté. Deux mailles. Un double surjet. Deux mailles, une et deux, et on finit avec un jeté. On va tricoter le rang avec les jetés. On se retrouve au dernier rang. Voilà, j'ai fini le rang qu'il faudra répéter jusqu'à avoir 12 cm. Alors, moi j'ai fait qu'un motif. Il faut répéter ce motif. De toute façon, je vous l'ai fait de hauteur totale avec les côtes. Hein. Voilà. Hop, on met ici et on va calculer jusqu'à 12 cm. Voilà. En fait, je pense qu'on va le répéter 3 fois. Là, on l'a fait une fois, 2 fois et 3 fois. Je vais faire de mon côté. Vous faites exactement, vous reprenez du rang 1. De toute façon, ce point, je l'ai fait sur ma chaîne. Il n'y a aucun problème. Si vous avez des soucis, vous regardez. Et puis, j'ai bien expliqué. Alors, vous ne devrez pas avoir de problème. Je fais ça de mon côté. Puis, on se retrouve quand j'ai fini mes 12 cm. Voilà. J'ai fini tout mon motif. Je suis arrivée à 12 cm. Voilà. 12 cm. En tirant un peu, on arrive à 12 cm. Maintenant, on va faire le talon. Pour cela, on va glisser 25 mailles sur un arrête maille. Ça va être le dessous du pied. Alors, 25 mailles. Attendez. Vous allez mettre sur un arrête maille 25, les 25 premières mailles. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 et 25. Hop, ça va être le dessous du pied. Et on a 31 mailles. Voilà, on a 31 mailles. Je vais compter 3, 6. Hop. J'ai bien mis 31 mailles. Voilà, alors là, sur l'aiguille, il vous faut 31 mailles. Pardon, excusez-moi. On va commencer le talon. Vous faites sur le premier rang, moi je l'ai déjà fait, hein, sur le premier rang du jersey, on va tout faire en jersey. Sur le premier rang, vous faites 3 diminutions jusqu'à avoir 28 mailles. Voilà, et après, vous allez tricoter tout droit pendant 5 cm de hauteur totale. Voilà. Hop. Je vais faire mes 5 cm et
On se retrouve après. Voilà, j'ai fini mes 5 cm de hauteur d'ici à ici. 5 cm. Je vais vous montrer. Hop. 5 cm. Voilà. Maintenant, on va venir faire les diminutions. Pour ceci, on va venir, je sais pas pourquoi j'ai un marqueur, sur l'endroit, on va venir tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. Vous allez voir, c'est très très facile. Vous tricotez comme ceci jusqu'à avoir 8 mailles. Trois, six, sept, huit. Voilà. On va venir glisser une maille, tricoter la suivante et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On vient tourner. Au deuxième rang, on se retrouve à l'envers. On va venir tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3, 6, 7, 8. Encore une autre. Voilà. On a 8 mailles. On glisse la première, la suivante, on la tricote et la maille non tricotée, on va venir la passer par la maille tricotée. On vient tourner. On est sur l'endroit. On va venir tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles. Alors, 3, 6 et 7, encore 2. Voilà, il nous reste 7 mailles. Après, on vient glisser la maille, tricoter la suivante et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On vient tourner. On est au quatrième rang. On va venir tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles. Trois, six et sept. On vient passer la maille. La maille suivante, on va venir la tricoter et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà. Au rang 4, on va tricoter, on retourne au travail, on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Trois,
6 mailles. On vient glisser la maille suivante, on va venir la tricoter et passer par-dessus la maille glissée. On passe, on retourne notre travail. Au sixième rang, on va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Mal positionné, hein. Je suis désolée. Alors, jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Trois, quatre, cinq, six. On vient glisser la maille, tricoter la suivante et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tourne notre travail au rang 7. On tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Alors, 3, 4, 5. On vient glisser la maille, tricoter la suivante et la maille glissée par-dessus la maille tricotée. On tourne au huitième rang. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. 5 mailles, excusez-moi. Je ne sais pas où j'étais. Hein. 5 mailles. Voilà, 3, 4, 5. On vient glisser la maille. La maille suivante, on va venir la tricoter. Et la maille glissée, on va venir la passer par-dessus la maille tricotée. On voit que le talon, il commence à se former. Alors, il nous faut faire ça. Alors, le rang 9, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, vous glissez une maille. La maille glissée par-dessus la maille tricotée. Vous tournez. Au rang 10, vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, après vous glissez une maille, vous tournez. Et vous faites ça jusqu'à ce qu'il vous reste 14 mailles. On se retrouve après. Voilà, j'ai fini mon talon. Voilà à quoi il doit ressembler. Ici, quand on a tout diminué, on a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 mailles sur notre aiguille. Après, on va venir non, alors attendez, oui, voilà, non, attendez, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oui, c'est bon, excusez-moi, j'ai 14 mailles ici. Et on va venir relever 12 mailles. On va venir relever 12 mailles sur ce côté, ici. Alors, vous relevez les mailles comme vous voulez. Hop, moi, je prends comme ça, j'y arriverai mieux. Euh,
facile à dire. Hein. Vous essayez de relever comme vous pouvez 12 mailles. Voilà, j'ai relevé mes 12 mailles. Là, vous allez venir reprendre vos mailles. Attendez, parce que je pense qu'on va venir les tricoter en même temps. Ouais. Hop. Moi, je vais venir les tricoter. Ça va être plus simple. Pour que de l'autre côté, vous puissiez avoir le fil. Voilà, j'ai tricoté toutes mes mailles qui étaient en attente. Maintenant, on va venir relever vos 12 mailles sur ce côté. Comme tout à l'heure, vous prenez toute votre maille jusqu'à avoir 12 mailles. Voilà. J'ai fini de tout relever les mailles. J'ai 63 mailles. Ici, on a 25 mailles. On a 25 mailles. On va continuer le point fantaisie qu'on a appris, que je vous ai appris. Ici, on va continuer tout en jersey. Par contre, à chaque... deuxième rang, deuxième tour, si vous voulez. Tous les deux tours, pardon. Vous allez diminuer 2 mailles. Voilà. Jusqu'à avoir 45 mailles. Tout en continuant le motif. Hein. Et là, en jersey. Vous allez faire ça pendant 18 cm de hauteur. Voilà. Et on se retrouve après. Voilà. J'ai fini. Le dessous et le dessus du pied. Voilà ce que ça donne. Je vous mettrai des photos. Alors, ici, d'ici, moi j'ai un tout petit... hop. D'ici à ici, moi j'ai fait 11 cm. Voilà, et j'ai fait une, deux, trois feuilles. J'ai répété trois fois le motif. Alors maintenant, on va venir diminuer. On va faire que du jersey là. Alors pour diminuer, c'est facile. Vous allez tricoter les deux premières mailles. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Après, si vous voulez faire, vous diminuer avec un surjet simple, vous pouvez. Hein. Moi, je fais comme ça, c'est mieux. Je vais vous montrer le premier rang de diminution. Hop, là, on vient diminuer par 2 mailles.
Vous tournez votre tricot. Et vous faites pareil. Vous venez diminuer 2 mailles. Là, vous faites plus le motif, hein, vous faites qu'un jersey. C'est la pointe. Là, vous diminuez. Et voilà ce qu'il faudra faire tout au long de votre rang. Vous diminuez ici, vous diminuez ici. Et vous diminuez jusqu'à ce qu'il vous reste 9 mailles. Voilà, on se retrouve après. Voilà, j'ai fini toutes mes diminutions. J'ai bien 9 mailles sur mes aiguilles. Je vais prendre une aiguille et un long fil et passer toutes les mailles sur mon fil. Voilà. Hop, et là, on fait pareil. Hop, voilà, on met l'aiguille de côté. On vient resserrer. Et on vient resserrer un petit peu. On vient passer l'aiguille à l'intérieur. Retourner notre chaussette. Et on va venir faire. Voilà. Hop. Un petit point. Pour que ça ne bouge pas. Voilà. Hop. On vient remettre la chaussette correctement. Voilà ce que ça donne. Je vais l'enfiler, je reviens.